Bonjour à tous, c'est Starkiller 1989. On se retrouve pour l'épisode 8 de Tom Clancy de Division. Et oui, ça fait longtemps que je vous ai pu proposer de Tom Clancy, surtout que c'est un jeu quand même assez récent. Donc on est parti les frérots, on va récapituler un petit peu le stuff qu'on a et le niveau où qu'on est actuellement. Donc on est niveau 8, bientôt 9, hein. Vous pouvez voir le contour du cercle orange. Reste vraiment rien, hein, un petit rien. Donc en arme principale, j'utilise une arme bleue spécialisée, donc la L86 LSW militaire. Oula. En arme secondaire, un fusil sniper qui est la carabine M44 classique, et en arme de poing, la standard, donc une arme verte, le M1911, le classico Del Madrido. Donc voilà, les compétences, j'utilise la bombe collante et pas la caisse de guérison, mais le lance-grenade, je crois que c'est un lance-grenade de guérison. On est actuellement à Tenderloin et on a 6h05 de jeu, donc c'est parti, on va continuer. Donc je vais vous montrer, il y a une certaine technique dans The Division, il y a une technique de jeu à faire que j'ai compris il n'y a pas très très longtemps. Il faut savoir que ça ne sert à rien de faire les missions principales directement, il vaut mieux nettoyer quartier par quartier, parce qu'il faut savoir qu'il y a des quartiers, hein, à l'ouest et à l'ouest et à l'ouest et à l'est, pardon, et au milieu il y a la Dark Zone qui coupe les deux secteurs. Qui coupe l'ouest et l'est, quoi. Du coup, on va nettoyer quartier par quartier, ce que je vous dis. Donc, il y a pas mal. Déjà, la première fois que vous arrivez, c'est qu'on doit découvrir la planque de chaque quartier. Ensuite, vous faites un rapport au capitaine ou au lieutenant qui se trouve dans la planque. Il va vous donner des missions secondaires ainsi que des nouvelles rencontres, hein, des objectifs divers ainsi que des missions secondaires. Vous finissez toutes ces missions-là. Ensuite, on récupère tout ce qui est téléphone. Il y a quoi encore? Écho. Guide de survie, etc. Et ensuite, s'il y a une mission principale dans le secteur, on la fait, donc on fera tout ça en dernier. C'est une technique assez stylée à faire, comme ça me permet aussi en même temps de tout vous montrer du jeu. Donc voilà. Je vais activer le stream. Voilà. Donc c'est pas... On est à... Donc on est à la planque. Dans une zone de sûreté. Donc vous allez voir, hein. Donc on va aller à Chelsea et on va commencer à faire les quêtes secondaires. On va se TP au campement Hudson, hein, là où on est arrivé pour la première fois après le prologue. Donc c'est là qu'on arrive quand on débarque à Manhattan, pour tous ceux qui ne savent pas. On va se TP là-bas et on va tout finir au niveau des quêtes secondaires. Je sais bien que c'est du niveau 3 à 4, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Donc à chaque secteur, il y a des missions secondaires, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on s'est TP au camp Hudson. Attention, vous quittez la zone de sûreté. Donc voilà, hop. Et dans chaque secteur, donc ça c'est un secteur, hein, vous voyez les délimités. Le secteur suivant, c'est Pennsylvania, je sais pas trop quoi. Ensuite, c'est Hudson Yard, tadada, Hell Kitchen inexploré, etc. Donc secteur par secteur, il vaut mieux tout finir. Donc les missions secondaires, elles sont marquées par les petites maisons en bleu comme ça. Et les rencontres, il y en a pas mal encore à faire, c'est recherche sur le virus, etc. Il faut tous les finir. Il faut savoir que une fois tout fini, en fait, le secteur, il n'y a plus rien dessus, hein. Vous devez plus rien voir du tout, à part juste l'emblème du camp. Voilà, donc je vais vous montrer. On va aller faire le rapport aux soldats qui se trouvent ici, hein. Donc voilà, il faut aller juste ici et demande de rapport de situation. Donc voilà, mission secondaire découverte, hein, vous voyez, à chaque secteur il faut faire ça. Donc c'est parti, on va se réapprovisionner en munitions tant qu'à faire. Hop, ok, pour cette munition MDR c'était même pas la peine, mais bon, je vais regarder un petit peu aussi dans ma tenue. Apparemment j'ai débloqué des choses. Ah oui, effectivement, apparemment j'aurai une MP5 A4 rafale mieux que mon snipe. Donc le snipe, on va le DEZ. On va mettre l'M4. Impossible. Ah oui, ok, c'est niveau 9. J'ai pas fait attention. On va regarder un petit peu. Donc je suis en full vert, hein, vous pouvez le voir. 18. Les autres ont DEZ. Alors je vous conseille énormément de recycler dans ce jeu là. Parce que vendre, ça va vous servir à rien. Limite quasi à rien.
Je vais pas dire à rien du tout, parce qu'il y en a, bon, peut-être que ça leur intéresse hein, d'avoir des blindés de thunes, je sais pas. Mais personnellement, moi non. Il vaut mieux death pour récupérer, regardez, hein, du tissu. Et par après, je vous montrerai une technique de craft. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu-là, il va falloir beaucoup crafter. C'est beaucoup de création d'armes, de création d'équipements, etc. Vous allez le comprendre. Donc encore une fois, on est parti pour 50 minutes de stream sur deux divisions. Ça faisait longtemps que je vous avais pu proposer de contenu. Donc on va mettre un curseur sur la map. On va faire la mission secondaire qui se trouve ici. Etherlow, partie 1. Données analysées. Voilà. Téléchargement des fichiers. On va commencer ça et on va mettre à Agent, jour la j'ai carte. une demande un peu Ah bah spéciale à apparemment vous c'est déjà mis faire. à jour. Je ne veux évidemment détourner aucune de nos ressources, mais si jamais quelqu'un croise une musicienne, elle s'appelle Heather Lowe. J'aimerais qu'elle soit escortée à la base. Ou au moins qu'on me dise où elle a été vue. C'est ma sœur, et elle a disparu. Je vous donne sa dernière position connue. Le camp de civils près des quais. Celui qui n'existe plus. Non, mais c'est juste ici. Terminé. On va trouver l'écho, voilà. Balise d'écho actif Donc, détectée. bienvenue à toutes les personnes qui arriveraient sur le stream et que je n'aurais pas vu. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon stream, hein, j'espère. Donc, on va activer l'écho. On doit fouiller l'écho et je vais le prendre. Donc, une fois que vous avez activé l'écho, vous collectez. Donc, une musicienne joue de la guitare dans le camp Hudson. Fouiller l'écho. Donc on sait voir le statut, encore une fois, c'est super utile. Le statut de tout le monde, un néant, donc ça veut dire normalement qu'elle est morte. Profession, assistante personnelle, détail, a probablement quitté New York. Ah. Merde, j'ai oublié la radio de Faye à la maison. Ah, elle est là, je crois. Allez, donne-lui les bâtonnets de poisson. Non, chérie. On ouais, en a besoin. Tout le monde. Mais j'aime pas ça, moi. Ok. Ah ben elle est là. Ether. Etherlow. Statue disparu, tu géant disparu, signalé par Halo. Écoute, Faye m'a dit de la contacter tous les jours. Et elle est deux fois plus chiante quand elle a peur que quand elle a pas peur. Et elle a tout le temps peur. Ok. C'est qui ça? Maddie Anderson, statue néant, serveur connaissance de l'eau. Ok. Ouais, donc on a fini la partie 1. Normalement, la partie 2, ça se met à jour. Je ne sais pas où c'est. Non. Ah, ben voilà, la partie 2, elle est là. On va faire d'abord le quartier ici. On va finir toutes les missions secondaires. Hop, on va faire oh, la première ici. Seigneur, c'est affreux. On devait recevoir un chargement de matériel médical aujourd'hui, mais on n'en a aucune nouvelle. Avec tous les malades qu'on a, vous voulez bien être un amour et essayer de le retrouver? On va aller voir ça tout de suite, les potos. Donc faut savoir que The Division, il est sorti depuis un petit moment et qu'il va bientôt avoir une mise à jour. Faut savoir qu'ils vont rajouter pas mal de choses. Ah, il y a un guide de survie là, on va le récupérer sur le chemin vu qu'on y est. Civil, donner de l'eau et on me donner de l'équipement, je crois. Base de randonnée, hop. Donc si vous aidez régulièrement les civils, hein, vous pouvez leur donner de l'eau, du soda ou des barres énergisantes. Méthode, discussion sur la manière de voler des civils. Allez, prends ton flingue, on y va. Et s'ils ont des gosses, tiens ton flingue comme si t'étais prêt à tirer et ils font tout ce qu'on leur dit. Surtout s'ils ont des gosses. Ah ouais? Et s'ils refusent? C'est eux qui voient. Ils peuvent rester en vie à moins. Voilà, pourquoi ça s'est désactivé J'ai pas compris. Tant pis. Donc la map est grande, hein. Vous pouvez le voir quand même que c'est vraiment pas mal. C'est immense. Donc on va aller à la quête secondaire, regardez à la 200 mètres, mais les 200 mètres, c'est vraiment super réaliste. Hein, comme regardez, c'est vraiment ici 190, 187, ça avance tranquillement. Franchement, parcourir toute la map comme ça, vraiment toute la map, hein, ça doit vraiment être long, il faudrait le faire une fois en test, mais bon.
Largage de ravitaillement. Ah, je pense qu'on va devoir protéger, si je me souviens bien. Rejoindre la zone du largage de ravitaillement. Ouais, il va falloir protéger, je crois. Attention, élément hostile en approche. Ça devrait bien se passer, hein. C'est de niveau 2 à... de niveau 1 à 3, niveau 2 à 4, je ne sais plus. Ah, le premier, il est en haut. Vite monter. C'est classe, on peut monter par le camion. Oula, comment ils ont spawné? Oula. Ils ont eu Alex. Ils font trop vite comme ils disent ça. Bah alors j'aimerais que les types dans le quartier ouest, ils s'appellent tous Alex. Ils disent toujours ils ont eu Alex. Ils ont eu Alex. Moi ça m'a trop fait rire franchement la première fois. Et bim. Et bim. Alors les gars, faites-moi les dents. Franchement les gars, le jeu il est vraiment énorme. Faut savoir que s'il est très très long, enfin le jeu en lui-même à 4, si vous le faites à 4, je dis pas qu'il est, il va vite, hein, mais il est quand même assez long. Attention, personnellement vraiment. Ouais, ils sont en train d'attaquer. Mais franchement, les missions principales sont super bien faites. Faut savoir que le scénario il est pas trop mal fait, il est vraiment bien fait. Enfin, vous verrez, il y a des boss à tuer, c'est vraiment la classe. Franchement, le jeu. J'éprouve un énorme plaisir de vous faire en stream. Ah bah voilà. Très impressionné. Mission secondaire terminée. Avec laquelle vous avez récupéré ce chargement médical. Je raconterai vos exploits à mon petit béni quand donc je vous gagnez des crédits, de l'expérience et des schémas. Hein. Faut savoir que voilà, les schémas ils vont servir à crafter soit de l'équipement ou des armes, comme je l'ai dit. Donc on va faire la mission suivante. La mission suivante se trouve juste ici, Michel Masson. Attention mon chou, il y a un assassin en liberté. Quelqu'un d'horrible un petit boss. S'appelle Michel Mason. J'imagine qu'ils veulent que vous l'arrêtiez, mais promettez-moi de faire attention. Je vous envoie sa dernière position connue, mais ne prenez pas de risques inutiles. Pas de soucis. Neutraliser le premier lieutenant de Michel Masson. Donc apparemment, il y a trois... Voilà, neutraliser le deuxième lieutenant. Ils sont au nombre de trois à chaque fois. Donc il y a ces deux lieutenants et lui, hein, donc en question. Donc c'est parti, on va y aller en beauté. Headshot. Hop. Alors le snipe dans ce jeu là c'est une tuerie monumentale, hein, vraiment. Ah bon, deux balles il est mort. Hop là, tous les headshots que je suis en train de mettre, les frérots. Et bim. Alors là il a looté du blanc, je le prends quand même, je vais le death par la suite parce que ça va pas très, ça va pas m'être très utile. Ah, une caisse de ravitaillement posée. C'est parfait. Là, si je me souviens bien, il y a un petit coffre à récupérer. Fouiller. Alors, il me donne quoi? Apparemment, je suis plein. Je ne peux pas le prendre. On y go! Donc, on va tuer le deuxième lieutenant. Hop. Voilà. Oh bim! Oh oh oh! Gros, casse ta batte. What the fuck? A l'aise, frère! C'est quoi? C'est des colis piégés ou quoi, les types? Yo, fraté, ça va? Oula, ça descend. Et bim! Oh les gars, je les one shot, c'est nickel. Je l'ai mis. Donc le boss, il est là-bas en haut. Et regardez, il est nommé, hein, lui, Michel Masson, il s'appelle. On va aller le déloger ou la déloger. Je pense que c'est une femme, si je me souviens bien. Je me suis trompé depuis le début, c'est pas un homme. On va faire attention quand même. C'est bon, il se barre. Ah, ils sont forts, hein, les boss. Je vais t'effondrer.
Bim. Je sais pas trop ce qu'elle avait comme plan, mais... Vous aviez besoin. Félicitations. J'espère juste que vous n'avez pas de sang sur votre matériel. C'est le plus dur à faire partir. Pièce d'arme, donc ça va être super utile, ça, les gars. Oh, il y a un petit coffre. Nickel. Alors, un sac résistant aux coupures. Par contre, j'ai vu que j'étais passé niveau 9. On va vite fait équiper ce que j'ai débloqué auparavant. Là, j'ai de la merde. Alors, même le bleu, hein, je vous conseille de Dez. Regardez ici, j'ai 39. Perso, c'est pas très utile. Donc voilà. Enfin, ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez jouer, en fait. Si vous voulez jouer style santé, plus style, par exemple, si vous êtes vraiment sur ce qui est DPS, dégâts des armes, etc. Donc, faire mal, hein. Vous jouez comme ça. Donc, plus ou moins, voilà. Pour la santé, si vous êtes plus à vouloir vous booster en santé, ben vous jouez un petit peu avec la santé. Donc vous regardez, hein, sur l'armure par exemple, en arme, là le masque de garde du corps en bleu, il me baisse mes DPS, donc je passe de 1129 à 1951. En santé, il me baisse aussi, mais il me monte ma puissance de la compétence de 850 par rapport à 680. Donc ça dépend comment vous voulez jouer. Moi perso, j'aime bien jouer dégâts des armes et santé, puissance de la compétence, je m'en fous un petit peu. Donc on va death tout ça, hop, j'ai pas besoin. Pour éviter d'être trop plein, hein. Parce que j'ai 43 places dans mon sac à dos, je crois. Je regarde un peu là. Je sais plus c'était où, j'avais eu un objet. Ah oui. C'était une MP5, on va l'équiper tout de suite. Hop. Je vais lui mettre des mods qu'il y avait sur le snipe. On monte ses DPS quand même un petit peu. Poignée inclinée rouge, 3%, 3,50% de stabilité. Stabilité initiale de la balle, on va mettre celui-là. Alors là j'ai rien en chargeur, on va mettre ça au début. Donc voilà, je suis passé à 1700 de dégâts. Alors ma carabine je la garde quand même, on ne sait jamais. Donc, c'est parti, on va faire la mission suivante. Ouh. Ah, ici on m'a looté un truc apparemment. Hop, la mission secondaire suivante se trouve là-bas. Mon chou, j'ai une mauvaise nouvelle. Des gens adorables sont retenus en otage par un groupe d'émeutiers. Oh, ah oui, je vous jure, il n'y a plus aucun sens des valeurs. Je vous envoie les coordonnées. Alors, il faut savoir que l'MP5, c'est une arme assez stylée. Elle a vraiment beaucoup de stabilité. Elle est vraiment très utilisée dans ce jeu-là. Que ça soit l'MP5, la Vector et l'Aug. Les trois armes-là, c'est des tueries monumentales. Donc forcément, c'est des pistolets mitrailleurs. Interagir avec lui. Okay. C'est bon. Allez-y, on vous couvre. Allez, on... Alors les fusils d'assaut, je vous conseille pas d'utiliser. Au début ça peut être utile, mais elles sont pas stables du tout. Ils ont beaucoup de recul. Vous allez passer plus votre temps à mettre des balles à côté plutôt que dans... sur l'ennemi. Ah c'est par rafale de 3 apparemment. Je peux pas tirer en rafale. Et bim. En haut. Donc je vous conseille pas trop d'utiliser les fusils d'assaut personnellement. Je dis pas que c'est de la grosse merde, hein. Il y en a quand même quelques-uns qui sont bien, mais perso j'ai été un peu déçu quand même des fusils d'assaut dans le jeu. J'aurais cru quand même qu'ils auraient mis plus de précision à leur égard, plus de stabilité. Peut-être que maintenant dans un patch ils vont corriger ça, parce qu'il y a vraiment un gros problème concernant la stabilité des assauts, quoi. Top tendance, deux filles discutent d'une pop star. J'allais dire d'une porn star, les gars. Ouais, elle est mortelle. Je kiffe trop son look. Tu sais qu'elle sort avec les chanteurs du groupe suédois, là ? C'est rien ? C'est pas vrai ? Il est trop bon, hein ? Et elle est trop stylée, sa coupe de cheveux. Oh, je suis trop fan de lui. C'est dégueulasse, elle a trop de sens. Raccroche ! Faut que tu vois ce qu'il y a aux infos. Je te laisse, il y a ma mère qui pète un câble. Allez, ciao. Ok, à plus. On se rappelle. On va aller par là. Donc apparemment on doit secourir des otages. Donc rejoignez la planque des émeutiers. Ok. Sécuriser la zone. Biii.
Voilà, là, là, là. Bon bah on va sécuriser à l'aise. C'est bon. Alors. Plan B, bombe d'enfoirée. Oh, j'ai raté le match. Je vous conseille de faire la technique là, hein. Donc vous faites tout le quartier, donc vous faites toutes les missions secondaires, les rencontres, et ensuite vous faites tout ce qui est mission principale à la fin, personnellement. C'est super utile, je vous conseille énormément. Parce que j'ai fait ça avec un pote, parce que j'ai un autre perso qui est niveau 30 actuellement, hein. J'ai avancé quand même dans le jeu cette semaine, du coup voilà. Je vous conseille de faire ça, donc je me suis dit pourquoi pas conseiller... certaines personnes qui aimeraient bien par exemple de division et qui joueraient. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Ah bah une MP5 Rafale. Ouh, elle a l'air mieux de ce que celle que j'ai. Nickel. Je vais leur préparer des sandwichs au thon pour fêter ça. Des sandwichs au thon comme par hasard. MDR. Bon. Donc ensuite, hop. Donc on va déjà la changer je crois. Enfin quoi que... Pff, elle a 2500. Non je vais garder la mienne. Quoique je préfère quand même Rafale. C'est mieux une Rafale. J'aime pas les... Pas Rafale de 3. Donc on va faire ça. Et on va remettre les modes que l'ancienne avait. Hop. Ah non. C'était l'autre. Voilà. Non. Ah, celle-là, elle monte les dégâts, apparemment. Là, j'ai rien du tout. Et le chargeur. Comme ça, l'autre, je peux la daise. Oula, il y a... Par contre, j'ai oublié de retirer un... Alors... Non. Ouais, c'est bon. Elle est un petit peu plus forte l'autre, mais... Une P416, ça je déesse par contre. Je pense que j'ai fait un mauvais choix, tant pis. C'était pas une Rafale en fait, elle me disait Rafale, mais... Apparemment elle tire comme l'autre. Donc on va faire la petite rencontre ici. Donc ça c'est un objectif divers, hein. C'est pas une mission secondaire. C'est encore moins long et moins dur qu'une mission secondaire, logiquement. Mais je sais pas si je pourrais la faire parce qu'il me faut un masque. Un masque spécial pour rentrer, c'est une zone contaminée, si je me souviens bien. Ouais. On va aller vite fait voir à l'entrée si je peux y aller, mais je pense pas. Faudra améliorer son filtre. Filtre requis rang 1. On va aller voir si, si je l'ai. Attention. Ah. Les relevés indiquent que c'est... Je peux le faire apparemment, nickel. Attention, matériel contaminé détecté. Donc j'ai un masque, voilà. Là, il y a un téléphone. Alerte. Lancement de l'analyse de contamination. Une femme suit son mari. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il entre dans une bijouterie. Ah non. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire du tout. Alors pourquoi il irait dans une bijouterie à 11h du matin, un mercredi ? Ah, d'accord. C'est pas le genre à avoir une maîtresse. Alors pourquoi tu le suis ? MDR, quoi. C'est quoi ces converses ? Une caisse de réapprovisionnement. Donc il faut activer, trouver et activer les scanners de virus. Hein, donc voilà. Lancement de l'analyse de contamination. Faut aller sur le toit, si je me souviens bien. Transférer les données de virus dans le cloud. 2 minutes 20, ouais, donc on a du temps. Donc il faut quand même se grouiller. Hein. On n'a pas toute sa vie. Ah, ici ça va. Hein. Bon, il y a certaines zones, ça va. Y a... Après, vous allez avoir beaucoup plus de temps, genre 7 minutes pour pouvoir vous y rendre, etc. Pas trouver tous les scanners parce que quelquefois ils sont, on les trouve pas du premier coup. Et bim, explosion Michael Bay.
holster utilitaire, donc je prends tout hein, personnellement. Moi je recycle tout, donc du coup c'est très utile. Donc celui-là il faut quand même courir, parce que je vois qu'il reste plus qu'une minute trente. Hop, on y est. Ah, il y a un coffre derrière, ce que je vois. Et voilà, 60 de ravitaillement de l'aile, plus du crédit, je crois. Alors, à chaque zone de contamination, il y a un gros coffre. Il faut le trouver dans la zone. Généralement, elle est sur le toit, ou il faut vraiment la trouver. Et ça loot de l'équipement bleu, donc c'est quand même utile. Oh oui, une SMG9 reconvertie, les gars, j'ai eu. Ça, c'est bon, ça. Donc, j'ai eu une SMG9 à 3000, 56 de DPS, plus un compensateur, nickel. On va s'en équiper directement, les gars. Hop, en arme secondaire. Hop, elle est là. Donc, un petit pistolet mitrailleur des familles. Hein. En plus, elle s'est passée à 1300. Il y a peut-être moyen de la faire passer à 1100. Pas mal. Quel chrome. Ah oui. J'avoue, elle a l'air de faire mal. Je pense qu'elle va m'aider pendant un bout de temps, cette arme. Est-ce qu'on peut descendre là? Oui. Donc on doit faire le chemin inverse, si je me souviens bien. Hop. Ensuite, donc il faut faire par système comme ça, enfin comme je fais, hein, donc faire toutes les missions secondaires et regarder, une fois que j'aurai clean toute la zone, les rencontres et tout, ben après j'aurai plus rien à faire, je devrais juste prendre tout ce qui est téléphone, etc. Qu'on fera ensemble, hein, je vous les ferai directement, oui, comme ça. On a un petit problème. Quelqu'un s'amuse à faire joujou avec nos antennes. Et je suis sûr que vous vous y connaissez en antenne, vous. Vous pourriez m'arranger ça? On a 170 mètres de la mission secondaire. Vous êtes en train de quitter la zone de contamination. Ouais, ça j'avais remarqué. Le mec. Ah, un rapport d'accident. Donc faut savoir, ne vous inquiétez pas avec ça. Je vais le prendre, mais en fait il y a une technique. Il faut savoir que dans l'aile, je pense, de sécurité, etc., ça vous permet en fait, vous allez voir tout ce, bah, par exemple le rapport, vous allez voir tout ce qu'il y a à récupérer sur la map. En fait, ça va être un, on va dire, une genre de compétence dans l'aile de sécurité qui va vous permettre de tout dévoiler sur la carte. Donc du coup, pas besoin d'aller sur internet. Vous aurez tout à récupérer. Donc limite le platine pour le jeu, pour ceux qui seraient intéressés pour les platines, c'est super facile. L'argent? Mais ouais, doit y avoir au moins 50 000 boules. J'ai jamais vu autant de fric de ma vie. Et comment tu comptes t'en servir, Banane? Tu vas aller faire du shopping? Bah, faut le voir comme un investissement, quoi. Pour l'avenir. Ouais, ça va grave prendre de la valeur, t'as raison. À la l'antenne. Faut monter sur le camion, je suppose. Ouais. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut pas mal escalader dans le jeu, c'est ce que je kiffe. Intercepter le réseau électrique direct. Par où on passe là par contre? Ok, par là. Oula, 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 oula. Tu m'as pas vu, frère. Ah ouais, elle fait très mal, les gars. Ah oui. Très très mal. Faut activer ici apparemment. Ouais, appuyez sur le bouton. Réparer l'antenne. Putain, on a 2 minutes. Faut se dépêcher là. Faut se dépêcher. Ça va encore. Normalement. Je sais plus où il faut aller. Est-ce que c'est dans un bâtiment? Oula. Ok. Monter. Ouais, c'est vraiment des putains de détours dans le jeu. Et vous verrez, c'est que le début, il y a des trucs, vous allez vous demander quoi, vous allez faire « What ? Mais pourquoi il m'emmène là alors que je pourrais passer là et tout ?» C'est une tuerie, une dinguerie monumentale. Si je me souviens bien, ici il y a un coffre.
Bon ben au calme. Mais vraiment hein. C'était à l'aise de chez à l'aise. Utiliser la console. Eh ben, vous avez pas perdu de temps. Tout fonctionne maintenant. Oh, si seulement mon petit Benny était aussi débrouillard. Bah je crois qu'il y a un coffre, non? Je sais plus en fait. Je pense pas. Ou alors je confonds zone, sûrement. Il me semblait qu'il y avait un coffre. Je vois qu'il y a un téléphone juste en bas par contre. Vous voyez, hein, les missions secondaires, au début, ça va très très vite. Donc regardez, voilà, une fois que j'ai détecté que ce soit le téléphone ou l'écho, il reste sur la map. Donc vous avez plus qu'à zoomer et regardez. Donc par exemple ici, il y a un agent disparu. Une fois que vous les avez trouvés, il reste sur la map. C'est ça qui est bien. Donc on va faire la rencontre directement là-bas. Mais je vous montrerai en tuto. Ne vous inquiétez pas, à force d'avancer dans le jeu. Il y a une compétence à débloquer pour pouvoir enfin une compétence, c'est pas vraiment une compétence, je sais plus comment ça porte un nom. En gros vous devez améliorer votre elbe de sécurité pour pouvoir acquérir ceci. Sera assistante, quelle est la raison de votre appel? Tous les objets dissimulés dans Manhattan. Je voudrais signaler une disparition. C'est mon frère. Très bien madame, comment s'appelle-t-il? Trevor Sloan. Quand et où a-t-il été vu pour la dernière fois? Dédicace à GTA les gars. À l'extérieur du Madison Square Garden, il y a deux jours. À un moment, il a disparu dans la foule, alors je l'ai attendu au bureau de poste, mais il n'est pas revenu. Les relevés indiquent la présence d'un écho dans les environs. Ah, je sais pas si je peux la faire, la zone-là. Je pense qu'il faut un filtre spécial. Si je me souviens bien, je crois pas que je peux. C'est sous un camion. On sait pas zoomer et demander... Niveau de filtre 1. Ah ben si, je pense que je peux le faire, je crois. Attendez. Par contre, comment on passe? Oh, je pense que c'est de l'autre côté, c'est une blague. Ou alors juste ici à côté. Bon, l'écho, on le fera plus tard, les gars. C'est pas le truc que je veux faire principalement. Ça, je vous montrerai dans une autre vidéo, au pire. Je sais plus où on passe. Où il y a des ennemis là devant. Allez, casse-toi et vite. Regardez, c'est abusé. Il bouge même pas. Les pistolets mitrailleurs, on tue les ennemis, mais vraiment au calme. Ah, comment ils ont morflé, les gars. Je sais plus, il doit y avoir une zone pour rentrer là-dedans, non? D'avoir une petite ruelle, les gars. Ah, ah! Je pense que c'est là. Il y a un guide de survie, ce que je vois. Oh là. Il y a même un élite, je crois, là-bas. Ouh! Ouais, flic, niveau 9. On va essayer de se le faire, les gars. Ça va être chaud. Il est très fort lui en plus. Il faut pas aller tout près. Il met des putains de dégâts. Bim. Tu vas faire quoi gros? Une fois qu'il appuie son bouclier, c'est bon. Ouh. Il fait très mal hein, vous le voyez. Heureusement que j'ai quand même des kits de soins. Parfait. Oh, il m'a looté du bon. En plus, veste d'action, chargeur libération rapide. Nickel. Ils sont où les ennemis? Je vois pas. Téléphone découvert. On va le prendre, hein, vu qu'il est sur la route. Répondeur automatique de Pricer House. Okay. Bienvenue au service d'assistance téléphonique de Pricer House. Suite aux récents événements, nos magasins situés à New York... Regardez, à 130... comment dire, 130 téléphones à récupérer. Nous espérons être bientôt à nouveau en mesure de vous proposer nos services. Merci. On peut y aller. Je voulais qu'elle dise la conversation. Attention, matériel contaminé détecté. La même chose que tout à l'heure. Lancement de l'analyse de contamination. Donc on va vite fait explorer les zones.
Fouiller des armoires, récupérer des vêtements. Donc cache-cou polaire simple, nickel. Hop. Ouais, il y a une porte à déverrouiller en plus. Botte étanche, on prend. Là, il n'y a rien. Là non plus. Donc je vous conseille vraiment de tout fouiller, hein, toute la maison, tout l'étage, tout l'appart. Il n'y a rien, on va pouvoir grimper je crois. Ah, ici, oh oui j'ai 3 crochets, ben nickel. Donc les crochets je pense que vous les dropez, que ça soit sur les ennemis, un peu partout. Hein. Ah, oh oui, il y a un coffre les gars, un coffre bleu. Allez, veste stratifiée, hop là, nickel. Des kits de soins je crois ça. Ouais non, une eau. On peut ouvrir un peu tout, hein, les frigos, les tiroirs. On rentre chez les gens, on s'en bat les steaks les gars, on fouille tout, on est des cambrioleurs. Ah, attends, en même temps il n'y a plus personne mais. C'est très intéressant. On monte à l'étage. S'il n'y a rien. Ah, là, il y a une porte, on va aller. Couvent simple. Donc ça concerne l'apparence, hein, les trucs bleu clair que je trouve, donc je vous montrerai aussi si jamais je vous ai pas encore montré. Oh, encore un coffre, nickel. Veste de chasse, ouh. Je pense que j'ai quand même droppé mieux. On va falloir se dépêcher, il reste 4 minutes, bon ça va, c'est au calme, mais bon. Démarrage, le scanner. On en a trouvé un deuxième, nickel. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il n'y a rien. Ah, une caisse de rapprovisionnement, on prend. Apparemment, il n'y a plus rien ici dans cette zone. On va monter à l'étage. Peut-être qu'il y a ici derrière. Non, rien du tout. Encore monter, vous voyez, il y a certains appartements, ils sont grands, c'est un truc de fou. Je pense que c'est la fin ici, personnellement. Je suis pas sûr, mais pantalon de randonnée moderne. Ah, ça peut être intéressant, tout ce qui est moderne, je kiffe. Bottes de daim en moderne, ok. Ah, je crois qu'il faut monter. Non, il me reste 2 minutes. On va monter à l'étage. Ah bah elle est là. Alerte, lancement de l'analyse de contamination. Faire bien le tour de la zone pour voir s'il n'y a pas de coffre caché. Non, rien du tout. Pour pouvoir continuer. En tout cas, j'espère que la sensibilité de votre côté, elle est pas trop élevée, parce que moi, ça tourne vite. Hein. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous trouvez que c'est trop trop sensible. Je pense qu'il y a un coffre au fond. Merde, vas-y. T'es mort, fils de pute, il me dit. Je pense que pour le coup, c'est toi qui es mort, ma gueule. Headshot. Ouais, il y a un coffre juste en bas. Ah, il est là. Données transférées au serveur JDF. Nice. Je vais encore avoir du bleu. Et bim, un holster résistant et un petit pointeur laser. Ça, c'est bon, ça. Et en plus, hop, il nous facilite la tâche. On peut descendre juste par le côté. Ah, il y a encore des ennemis en bas. Alors, je trouve qu'ils ont vraiment exagéré sur le jeu, c'est sur les dégâts de chute.
Vous sautez de même pas à 2 mètres, le type il perd 3 barres de vie limite. C'est limite si tu meurs pas. Regardez, c'est abusé les mitraillettes. Allez, mange. En même temps, ils sont niveau 4, mais même, c'est le recul, il n'y a rien du tout qui... L'arme, elle bouge pas, tu peux être à 300 000 km, elle restera comme ça. Donc, il y a encore une rencontre là-bas, ce que je vois. Hop, on va la faire vite. Oula. On est très loin, wow, on a 300 mètres, enfin, ça va encore. On va faire la rencontre là, et on va s'arrêter là, les frérots. On aura fini déjà pas mal de choses. Donc je vais essayer quand même de vous publier beaucoup plus de contenu sur le jeu pour qu'on avance un peu plus vite et qu'on fasse des missions principales. Bon là on est passé niveau 9 pour le coup, c'est bien. Mais franchement je vous conseille de faire ça parce que vous allez prendre beaucoup de level comme ça en rien qu'en faisant... Oula, j'ai le hockey. Des missions secondaires et des rencontres. Et ainsi, vous pourrez faire les missions principales. Et je dis pas que ça sera les doigts dans le nez, mais ça sera moins compliqué parce qu'il faut savoir quand même que tout seul, c'est assez chaud. Et moi, mon objectif, c'est d'atteindre le niveau 30, de finir le jeu. Et ensuite, de faire de la Dark Zone avec mon pote en live. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ils l'auraient peut-être déjà vu. Il s'appelle Hobos Killer. Mais je pense pas qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà aperçu. Je sais pas si j'ai déjà streamé avec, mais je streame plus. Boum. Mais voilà, donc c'est mon objectif. De faire de la Dark Zone, parce que de la Dark Zone c'est vraiment cool. On a plus d'adrénaline, parce que là c'est contre des gens hein, du coup. Enfin contre des gens, il y a des gens, des vraies personnes qui jouent. Wow, coup de batte de bézoum, ma gueule, il est chaud lui. Bim. Oula, il est où lui? Ok. J'ai une M4 rafale. C'est où? Attendez, il y a un bug, non? Ah, elle est en bas, ok, il me semblait bien. Donc, on doit aller dans le sous-sol. Je vois qu'il y a des traces d'agents. Est-ce que ça mène? Je pense que ça mène pas dans le sous-sol, je ne sais plus. C'est un agent disparu. Je vous montrerai ça plus en profondeur par la suite, hein. Vous inquiétez pas avec ça. Redémarrer la pompe. Ouais. Phase d'agent détecté. Donc c'est facile, hein, une fois que vous trouvez une trace d'agent, il vous montre la direction, vous restez 3 secondes, 3 à 4, allez, on va dire 5 secondes ici, et vous pouvez suivre, donc apparemment c'est, voilà, ça continue par là. Là c'est la quatrième, et la cinquième on va trouver un papier, je sais plus, un truc audio. Hop là, le collision, elle se fait là-bas, donc c'est juste ici, et voilà, donc on ramasse Michael Trudeau, fiche de l'agent Michael Trudeau. 2 sur 20, donc il y a 20 agents disparus à retrouver leur, leur trace. Oula. Trop à l'aise. C'était trop facile. En même temps, bon, ils sont niveau 4 aussi. On va réactiver l'eau apparemment. Attention, niveau de pression de l'eau critique. Protéger la pompe jusqu'à ce que la pression soit rétablie. What the fuck? Frère, il spawn en même pas une seconde. Attention, frère, lui. Force hostile en approche. On va devoir protéger. Vous voyez, il y a une barre qui monte. Hein, une fois qu'elle est pleine, c'est fini. Mais bon, il faut déjà tenir jusque là. Attention, force hostile. Ah oui, il est déterminé, lui, il s'en bat les couilles, il saute comme ça, allez. Niveau de pression de l'eau critique. Oula, pas bien. Je
ramasserai le loot après. Je vous conseille vraiment de protéger parce qu'ils arrivent un peu de partout. Mais ce qui est bien, c'est que c'est sous forme de vague, donc ça va. Donc vous pouvez vous dire aussi peut-être que ouais, Starkiller, t'as un peu de facilité là, c'est quoi le délire? Mais vous allez voir, hein, c'est que le début, le jeu est vraiment quand même dur. C'est parce que là on est au début, je suis sûr que je vais galérer, hein, je m'attends déjà à ça. Je rétablis, faut que j'aille vite, non! Faut que j'active la pompe vite fait, j'ai perdu du temps. Interagir. Et un coffre là. What the fuck, il a pris feu lui. Le feu est extrêmement bien fait sinon je trouve, c'est pas mal. Attention, force hostile en approche. Oula. Alors eux ils courent super vite, c'est abusé. On dirait qu'il va rater quelque chose lui. Je sais pas, il court trop vite. C'est bon. Y a pas le feu hein MDR. Attention, niveau de pression de l'eau critique. Regardez même les traces de cramage et le reste, c'est beau ça. Attention, oh, force et boum. Oh, c'est dommage qu'avec l'explosion ils n'ont rien eu. Voilà, terre c'est terminé. On va récupérer le loot. On va pouvoir partir. Et c'est pas par là, c'est de l'autre côté. Donc on repart d'où on est venu. Je crois qu'il n'y a pas d'autre sortie si je me souviens bien. L'autre côté. Voilà, il y a quoi là? Ok, il y a des ennemis qui parlent les gars. Hein. Le headshot du turfu. Allez, couche. Der. Bon, on va essayer de faire vite fait les gars la petite rencontre. Je sais pas, ou alors on s'arrête maintenant. Je sais pas ce que vous en dites. Ouais, on va s'arrêter là maintenant. Pour pas trop dépasser en temps, parce que sinon on va faire plus d'une heure et ça va être un peu trop long. Donc voilà, j'aurais plus que la rencontre à vous faire, donc on fera ça demain, vous inquiétez pas, on fera l'épisode 9 demain, donc c'était déjà l'épisode 8 hein, celui-là. Donc on fera attaquer la forteresse, apparemment il y a une forteresse à attaquer là-bas. Ensuite, ça c'est rendre, donc il faut rendre au rapport les missions secondaires qu'on a fait. Donc on va gagner tout l'XP qu'on a fait avec toutes les missions secondaires. Une fois fait ça, on aura tout. Les téléphones etc sur la carte, mais ça je vous montrerai plus tard, enfin on les aura pas tout de suite, mais il faut débloquer quelque chose à la base d'opération en question. Voilà, ensuite on passera au quartier suivant et ainsi de suite. On fera les missions secondaires et une fois tout fini, donc les rencontres, missions secondaires terminées, on fera les missions principales, donc par exemple celle-là, ensuite celle-là etc, et on fera quartier par quartier les gars. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse du bon truc. Vous verrez, vous inquiétez pas avec ça. Donc j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. C'était déjà l'épisode 8 sur Tom Clancy de Division quand même. Hein. Même moi, je me souvenais plus qu'on était à l'épisode 8. Je m'excuse aussi de l'absence un petit peu hein, que j'ai eu. Je stream plus beaucoup de ces moments-ci. Mais vous en faites pas, je suis toujours là. Je ne vous oublie pas les gars. Voilà, donc ici de toute façon, directement après ce stream ici, je fais...
du Uncharted et ensuite du Diablo. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Il y a encore deux petits streams qui vont arriver. On va vite aider le PNJ qui demande une barre énergétique. Gagner d'XP plus de l'apparence. Donc on fera ça la prochaine fois. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. En tout cas, du moins pour certains. Mais si, merci de m'avoir regardé. C'était Starkiller 1989, les potes. Prenez soin de vous. Et ciao, ciao. Bonne soirée à tous.